C'est aux côtés de la première dame que le président Denis Sassou Nguesso a donné le coup d'envoi du 15e marathon international de Brazzaville, ce lundi 13 août 2018 au boulevard Alfred Raoul. À l'issue des 21,1 km du parcours, Félicien Mouitira n'a eu besoin que d'1h04 pour franchir la ligne d'arrivée. Je suis très très content parce que j'ai gagné encore, c'est la deuxième fois gagné ici. Au Rwanda, nous sommes le pays des mille collines. Quand je vais dans le climat de chaud, ici, c'est comme habituel. Il n'y a pas difficile parce que tout le climat, c'est chaud. Le Congo, pays hôte, a présenté 809 athlètes venus de tous les départements de la République. Les deux premiers Congolais, Eric Semba, arrivé après 1h08, et Clem Mombeke, après 1h23, estiment qu'ils auraient pu faire mieux s'ils bénéficiaient des meilleures conditions de préparation. Oui, j'ai été sûr d'abord de mon Dieu, parce que c'est lui qui m'a donné ce souffle-là pour courir. Je lui remercie d'abord M. le président Denis Sassou Nguesso, qui nous encourage, qui pousse à la Fédération d'athlétisme de nous envoyer dans les grands centres comme au Kenya, Éthiopie, pour qu'on puisse s'entraîner là-bas pour réaliser aussi des bonnes choses. La 15e édition du semi-marathon international de Brazzaville a connu la participation de 836 athlètes au total, dont 21 de la République démocratique du Congo, du Cameroun, du Rwanda et du Kenya ont été invités par la Fédération congolaise d'athlétisme. Cette politique vise à rehausser le niveau des athlètes congolais.